Oui, bonjour, bienvenue à ce 36e Biais Capsule, mon 14e live depuis le début de l'an de Disgrâce 2021. Pierre le prof, vulgarisateur. D'abord, avant d'entrer dans le sujet aujourd'hui, une petite note, c'est que mon Audimat féminin, vous venez de passer à 57,6%. Vous êtes la nouvelle majorité de mon Audimat, là. Je me l'explique pas, mais tant mieux. Bienvenue, mesdames, messieurs, lâchez-moi pas. Cependant, j'ai une autre note à faire, c'est que j'ai de moins en moins d'auditeurs pour mes biais capsules. Je comprends pas mes lives. Quand je parlais de Donald Trump, j'avais toujours 1200 auditeurs de plus. Depuis que je vous parle des jeunes, on dirait que ça baisse. Ça devrait pas être le cas, là. Alors, s'il vous plaît, faites un effort. Abonnez-vous à ma chaîne, OK? S'il vous plaît, n'oubliez pas un pouce bleu. Partagez aussi ces biais capsules. C'est pas mal tout ce que je vous demande en échange de prendre le temps de les faire. N'oubliez pas non plus la pétition d'Éric Duhaime, dont je mets le lien dans la description, là. M. Duhaime qui s'oppose au port du masque obligatoire dans les écoles primaires du Québec présentement. Petite anecdote, il y a 32 États américains présentement qui ont cessé complètement d'imposer le masque à leurs concitoyens. Et ça a juste des effets bénéfiques, puis aucun effet négatif, là. Alors, à un moment donné, il va falloir se demander comment ça se fait qu'au Québec, on nous prend toujours pour de tels imbéciles, OK? Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Qu'est-ce qu'on a de plus ou de moins que les autres pour qu'on tente toujours ces coups-là? Alors, c'est ça. À défaut de vous rendre à l'Assemblée nationale dimanche pour le rassemblement contre le port du masque et puis le retour du sport dans les écoles, allez signer la pétition, partagez mes capsules, s'il vous plaît, et abonnez-vous à ma chaîne. Alors, la question du jour aujourd'hui, parce que là, on parle de force, d'immunité, de lumière, d'énergie, OK? De vibration, OK? Comment vivre en marge de lois puis de décrets qui nous méprisent à ce point et puis qui nous empêchent de vivre des vies normales? Comment est-ce qu'on peut vivre en marge de ces lois qui sont faites par des politiciens, là, soit incompétents ou achetés à des causes qui n'ont rien à voir avec notre bien-être, là? Comment on peut parvenir à garder un équilibre personnel et affectif dans notre vie personnelle, dans notre vie affective, comment on peut garder notre dignité aussi envers ces gens un peu pervers qui cherchent juste à nous intimider puis à nous insulter, comme si on avait quoi que ce soit à se reprocher quand on se pose des questions puis qu'on essaie de découvrir de la vérité devant des énormités puis des faits qui ne balancent plus, là. Évidemment que ces gens-là n'auront aucune immunité en ce qui nous concerne. On ne les laissera pas nous intimider. Alors là, je me rabats sur une maxime latine que vous connaissez peut-être qui disait « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Les civilisations classiques, antiques, savaient depuis longtemps l'importance de se garder actif à tous les jours. On le disait pour le bénéfice des jeunes, évidemment, comme on le fait aujourd'hui en ce moment-là, mais des gens plus matures aussi, c'était pas juste pour les travailleurs, pour les soldats, là, l'importance de se garder actif physiquement pour mieux fonctionner ici et ici, OK? Alors, parmi les choses à protéger qui sont les plus précieuses, évidemment, on parle de votre santé. OK? Votre santé a toute la régence présentement. Puis on a eu un an de pratique pour s'en rendre compte, là. Même pour ceux puis celles qui se sentent isolés, confinés en ce moment, qui sont un peu découragés, qui voient pas la lumière au bout du tunnel, non, j'aimerais vous encourager, si je suis capable, vous dire, profitez, saisissez cette occasion-là pour changer votre mode de vie. C'est pas facile de changer un mode de vie, mais tu sais, quand t'as assez de colère pis que t'es assez écœuré, le moment où tu te dis, ben, là, le jeu en vaut la chandelle. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. Parce que la solution, elle, est sur une base individuelle d'abord. C'est ce que vous allez faire pour vous-même, pas de la façon dont vous allez dépendre des autres. Moins vous allez dépendre du médecin, mieux vous allez vous en porter, OK? Ne jamais dépendre des autres. Ça commence par vous, OK? Alors, la santé, c'est quoi? OK? C'est quoi se rendre fort, se renforcer, renforcer son système immunitaire? C'est prendre l'air, OK? Bien sûr. Marcher en forêt,
OK? Écoutez de la musique que vous aimez, OK? Qui est vraiment significative pour vous, là. Toutes ces formes d'expériences qui sont vibratoires, là, t'sais, parce que quand vous y pensez, là, les sons, la lumière, la matière, les couleurs, les émotions, toutes ces choses-là, ce sont des vibrations. Puis, sur une base individuelle, personnelle, vous devez trouver votre niveau de confort vibratoire, OK? Et je vous promets, ça fonctionne. À un moment donné, on y parvient, OK? On est plus indifférent aux attaques des autres. On est capable de leur faire face plus calmement, OK? On trouve les mots plus facilement pour communiquer avec les autres, les choses importantes. Évidemment, bien manger, bien s'abreuver, c'est important. Mais s'entraîner, ça ne veut pas dire nécessairement des exercices exigeants, cardiovasculaires ou de résistance musculaire. Non, ça peut être juste une marche de 45 minutes à tous les jours. Vous seriez surpris des bénéfices miraculeux qu'une marche de 45 minutes peut apporter dans la vie de quelqu'un, homme ou femme, OK? Évidemment, réduire l'alcool, c'est imminent. Cesser de fumer complètement, ça, si vous n'avez pas encore réussi à faire ça, c'est pas facile. Mais voilà peut-être l'occasion pour vous de jeter ça en dehors de votre vie. T'sais, ça fait partie du défi que vous avez à faire. Ça, c'est comme une personne qui est tellement tannée d'être obèse à un moment donné, là, qu'elle décide, OK, moi, j'ai atteint mon point de rupture, là. Je réduis ma consommation d'aliments, je vais perdre du poids, je vais augmenter ma ligne d'énergie. Ces gens-là, des fois, on assiste à des miracles. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous parle. Et tout ça, évidemment, c'est préparatoire à un état où vous allez vous remettre en circulation, en relation avec les gens, où vous allez passer à des actions. OK? Vous devez d'abord vous soigner vous-même avant ça. Puis après ça, vous vous soignez, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec les autres. Alors, à ce compte-là, je replace au premier rang le docteur Didier Raoult, OK, dont vous avez entendu parler sûrement cette année, parce que ce gars-là, il est connu comme Barabbas dans Passion. Tu sais, on le compare à Louis Pasteur. Écoutez, il est aussi ferré en épidémiologie et en infectiologie, ce gars-là, que Albert Einstein l'était en sciences de la physique. OK, c'est pas n'importe qui, docteur Raoult, là. D'ailleurs, c'est un iconoclaste, OK, qui dérange beaucoup la communauté médicale et scientifique. Parce qu'il y en a au moins une moitié là-dedans qui essaye d'aller contre lui puis lui mettre des bâtons dans les roues. Évidemment, c'est la gang qui est derrière Big Pharma, là. Parce que l'autre moitié des scientifiques se range derrière lui et lui donne toute la validation dont il a besoin. Alors, ce qu'il faut savoir du docteur Raoult, c'est 80%, il y en a qui disent 92, là, moi j'ai réduit ça à 80, 80% à peu près des patients du docteur Raoult sont en rémission par rapport à des maladies infectieuses et, entre autres, du COVID-19, OK? Les personnes âgées, surtout, qui sont plus sujettes à développer ces maladies-là. Alors, il y a un taux de rémission très fort en utilisant ce produit dont vous avez aussi entendu parler, l'hydroxychloroquine. OK? Alors, tu sais, on va tout de suite insister là que 80% de ces patients-là ont eu une durée plus courte d'hospitalisation et ont eu une durée de persistance virale plus courte. Okay? La charge virale est tombée plus vite. OK? Puis, on n'est pas capable de contredire le docteur. Lui-même ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est les effets du bienfait de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, là, c'est le mot chloroquine auquel on a ajouté le préfixe hydro, hydroxy. Bon. La chloroquine, à un moment donné, était dangereuse pour le cœur. Elle amenait des problèmes de nature cardiaque. OK, on le sait. Mais l'hydroxychloroquine est un autre dérivé qui est plus sûr, qui a à peu près enrayé tous ces problèmes-là. OK? Mais dans un cas comme dans l'autre, hydroxy ou chloroquine, les deux sont des dérivés d'un produit, d'une substance naturelle qui pousse en Amérique du Sud, qu'on extrait de l'écorce séchée d'un arbre qui s'appelle le chichonan, OK, que les Incas utilisaient depuis des siècles. Et que les Jésuites ont observé, ont remarqué, lorsqu'ils sont débarqués avec les conquistadors, ils ont vu que les herboristes incas, ils guérissaient toutes les formes de paludisme, puis la malaria avec ça.
C'est que les jésuites ont ramené ça en Europe, puis on s'en sert depuis ce temps-là. C'est vendu en pharmacie depuis 75 ans pour tous les grands voyageurs du monde, parce qu'ils sont sujets à la malaria. Alors, pourquoi l'avoir retiré des tablettes en janvier 2020 quand on sait que c'est un bon produit, là? Peu importe de notre niveau de croyance dans son rapport, sa relation avec le COVID-19, peu importe, pourquoi le retirer si ça a toujours été un bon produit? Évidemment, poser la question, là, c'est une question insensée parce qu'elle ne peut donner aucune réponse sensée possible. Il n'y en a pas de raison sensée. Il n'y en a pas de raison de justifier, qui justifie ses efforts à toujours nous empêcher de réduire la courbe d'immunité collective puis de développer notre système immunitaire. Il n'y en a pas de raison d'empêcher les gens d'obtenir ce produit-là en pharmacie. Il n'y en a pas aucune. On se demande d'ailleurs toujours pourquoi c'est au Québec qu'on tente ces coups-là tout le temps. Est-ce qu'on est de tels imbéciles? Les Québécois, qu'est-ce qu'on a de plus ou de moins que les autres? Qu'on tente toujours des choses ici aussi ahuries et aussi ridicules. Pourquoi on met des bâtons dans les roues des gens qui s'engagent dans des activités aussi qui peuvent renforcer leur système immunitaire, comme les confiner, puis les garder chez eux, puis les empêcher de voir leur famille? Bon, alors c'est ça. La quinine est le mot-clé ici. Hydroxychloroquine et chloroquine, c'est deux dérivés qui viennent de ce produit dont je vous parlais tout à l'heure, la quinine, OK, dont les Incas se servaient. Alors, moi, personnellement, quand toute cette psychose-là s'est développée au mois de janvier 2020, j'ai été inquiet, moi aussi, comme vous. J'avais peur de mourir. Moi, j'étais sûr, j'ai dit, c'est vrai tout ça, là. J'ai changé mon fusil d'épaule. Et je me suis traité. J'ai été voir c'est quoi les produits que je pouvais prendre pour renforcer mon système immunitaire. Parce que c'est ça, là. Le but de la capsule aujourd'hui, c'est comment vous rendre plus fort. OK? Puis vous l'êtes fort. OK? Donnez-vous une chance, par exemple. Allez mettre toutes les chances de votre côté. D'abord, la quinine, où c'est que vous pouvez trouver ça? Dans des quantités négligeables, mais quand même, connaissant les bienfaits de la quinine, je peux vous dire que dans l'eau tonique, il y a de la quinine. Fouillez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent, pourquoi ils mettent ça là-dedans, mais il y en a. OK? Donc, de la quinine, voilà une source de quinine. À part de ça, pour renforcer votre système immunitaire, ça, j'ai découvert ça et j'ai adopté ça. C'est de la vitamine C, 1000 mg, OK, par sachet, mais il faut savoir là, que la vitamine C, ce n'est pas suffisant pour renforcer un système immunitaire. C'est bon, ça rouvre la porte, mais ça ne fait pas le travail, OK? Puis vous en urinez la majeure partie le lendemain matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C, qui est très bonne, fonctionne lorsqu'elle est en synergie avec d'autres produits. Dont, très important, là, la vitamine D. OK? Alors, commencez à doser comment vous avez besoin de vitamine C puis de vitamine D, tout ça. C'est déjà tout dosé d'avance là-dedans. Okay? La vitamine C est dosée avec la bonne dose de vitamine D. Et il y a d'autres produits qui sont aussi importants pour la synergie de ce dont je vous parle, là. Le manganèse et le zinc que vous retrouvez dans les bonnes quantités ici, ainsi qu'un vitamine B complexe, 6, 2, 4, 6, 8, 12, là, ils sont toutes à panoplie là, qu'on sait depuis des temps immémoriaux comment c'est bon pour le système immunitaire. Tout est là, OK? Ça vaut 15 $, ça, c'est pas très cher. Un sachet tous les matins avec de l'eau pendant 2 semaines, OK? Vous voulez renforcer votre système immunitaire? Moi, j'ai rien d'autre à vous dire, je suis pas médecin, je vous dis des choses que j'ai appris là, par-dessus le comptoir à pharmacie, puis les sites que j'ai visités sur Internet. Alors, sur cette note joyeuse, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis force et lumière, OK? Allez booster votre système immunitaire. Sentez-vous bien, sentez-vous fort. Je vous laisse avec une petite chanson aujourd'hui. Ouais, qui me demande pas mal d'énergie pour la faire, justement, parce qu'elle est exigeante vocalement. Puis elle a des images surréalistes que j'aime, qui me font voir des ténèbres, mais qui me font voir aussi une lumière au bout, là, qui est une chanson de la chanteuse Barbara qui a été reprise par Marie Carmen, qui s'appelle L'Aigle Noir. Alors, respectez-vous cette semaine, messieurs, dames, et si vous en avez capacité, faites respecter quelqu'un d'autre.
Abonnez-vous. Partagez. N'oubliez pas le pouce bleu. Au revoir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant lever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait des yeux couleur du lit. Il a touché ma joue.